Pendant que certains paraissent sur les transats, d'autres chaussent leur roller pour un petit galop d'essai sur la piste installée place de Brouckère. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai regardé les autres et j'ai appris. On fait des tours, on fait des courses. Plein de courses. Juste à côté, un parcours d'obstacles pour les vélos. C'est toute la place qui est dédiée à l'initiation sportive. Surtout qu'on s'ennuie, si en général il n'y a jamais rien, il ne se passe rien. Maintenant, ça fait du bien de voir un peu de monde. En plus, franchement, c'est gratuit, tout ça à notre disposition. Et l'on peut aussi découvrir de nouvelles disciplines comme le roller soccer, qui allie mini-foot et roller. Ça se joue à 5 contre 5 sur le terrain et chaque équipe peut avoir 10 joueurs au total. Et c'est comme pour le hockey, on a des changements illimités. Il a la particularité d'être mixte et donc même en compétition, en Coupe du Monde, les hommes et les femmes peuvent jouer dans les mêmes équipes et c'est une valeur à laquelle on tient beaucoup et qu'on veut vraiment promouvoir. Moins de monde dans le haut de la ville pour s'essayer à l'escalade aux abords du palais de justice. J'essaye, mais voilà quoi, c'est pas facile non plus, donc voilà quoi. Ça fait 3 jours que j'essaye. Hein. Ouais. Moi ça fait 3 jours que j'essaye le mur là, je le dis, c'est pas facile. Hein. C'est sûr que ça défoule, ça fatigue beaucoup aussi. Hein. Un peu plus loin, place aux apprentis funambules. C'est chouette. Vous trouvez l'équilibre? Comme ça. Une manière de se réapproprier ce lieu, longtemps colonisé par la voiture. C'est étonnant, cela rassemble des gens de différents milieux, de tous âges, les familles, les enfants. Tout le monde peut venir. Des animations accessibles du jeudi au dimanche jusqu'au 14 août.